Ah, c'est une vaste question. Je pense que ça permet aux citoyens, quel qu'ils soient, de pouvoir, dans l'immédiat, donner une opinion effectivement, sur un projet, quel qu'il soit. Ça permet effectivement des échanges au niveau des citoyens. Maintenant, l'influence qu'elle peut avoir par rapport à la démocratie, je ne pense pas que ça puisse avoir une influence directe, si ce n'est qu'après, ça devient une forme de lobby. Qui, à mon avis, là pourrait être nocif à la démocratie. Mais par contre, effectivement, ça permet rapidement de pouvoir communiquer, d'échanger, et ne serait-ce que de pouvoir communiquer, échanger, c'est effectivement un grand pas vers une démocratie participative. Je ne pense pas que ça amène une vraie transparence. Je pense qu'au contraire, ça risque au contraire, d'avoir des attitudes qui risquent de cacher beaucoup plus de choses. Je pense que cela. Je pense pas que le numérique amène de la transparence. Je n'ai pas le sentiment. Ou alors il faut que les choses évoluent, ou alors il faut que les choses deviennent beaucoup plus matures pour que ça devienne transparent. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu trop tôt de parler de transparence au regard du numérique. C'est des choses qu'on peut mettre en place, et pourquoi pas, j'y avais pas pensé. Pour le projet de Dourdan, je sais que la ville d'Issy-les-Moulineaux est en train de travailler sur une plateforme web au service des entreprises, au service du citoyen, pour permettre des échanges. Sur une multitude d'informations, c'est effectivement un sujet qui peut être complètement intéressant. Et ça peut être aussi un moyen de parfois échanger en direct. Ça peut être une forme de référendum aussi. Ça peut tout à fait être intéressant, effectivement, sur des projets qu'on n'a pas forcément mis dans le programme parce qu'il y a une évolution à un moment donné une évolution sur une réglementation qui impose un certain nombre de choses à la commune. Pourquoi pas, là, les rythmes scolaires, on aurait très bien pu mettre en place quelque chose pour échanger avec le citoyen en direct. Ça pouvait être effectivement, là, ça peut être tout à fait intéressant, oui, bien sûr. Ça peut apporter des choses par les gens qui sont en maturité de l'utiliser, mais ça peut aussi marginaliser des gens qui sont pas habitués encore à cet outil du numérique. Et il y a un certain nombre de générations qui, pour eux, un vrai mur hein, qu'on est en train de bâtir autour d'eux. Et je pense qu'on doit l'utiliser avec beaucoup de parcimonie.